7 heures, on m'emmène dans des salles annexes pour que je sois interrogé. J'ai été interrogé. On m'a ramené dans la cellule. On m'a d'abord conduit ensuite au bureau du directeur du BNI. J'étais dans sa salle d'attente. On m'a dit la nuit de soir que je chante avec moi. Puis après, ils m'ont ramené en France. Comme ça faisait là, la 10e arrestation politique que je connaissais dans ma vie, que j'essaie d'interpréter les choses, j'ai tout de suite compris que la phase de la banalisation a commencé. Et ce qu'on appelle le baïtage, pour d'abord te montrer que tu n'es rien. Bon, on te fait croire que l'autorité va te recevoir. Et puis après, tu ne reçois pas. On te ramène en cellule, on m'a habillé, c'est des habits bleus, un ensemble bleu. On m'a fait porter, où il était écrit dessus bien mal. Vers 21h, on est sorti. J'ai dit vers parce que je m'ai arraché ma montre, tout, je n'ai plus rien. Quand on me ramène au poste, on me dit habillez-vous, monsieur. Tout prisonnier, quand on dit habille-toi, c'est lui qui t'a parti chez toi. On dit que ça va aller. Hein. Et on embarque dans un véhicule avec des cortèges, tout ça. On traverse la ville Dakar. Peut-être qu'on va se réunir pour discuter. Au fur et à mesure que le cortège avançait, je reconnais certains endroits. J'ai vu d'abord une ville qui est juste à l'entrée de Dakar, qui m'appelle Kassoua. Je suis fait Ghana. Kassoua, je vais traverser la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Bon, peut-être aussi que bon, c'est une discussion plus avenue dans ce quartier-là. Ensuite, on arrive à Cape Coast. Ensuite, à Takoradi, j'ai compris sans doute. Bon, je vous épargne les détails. J'ai été transféré en Côte d'Ivoire. Donc. Et beaucoup mieux. Le mot dont je vous le dis aujourd'hui, enfin. J'étais meurtri. Cette plaie-là, je ne sais pas si elle peut gagner un jour. C'est savoir que je suis au milieu de l'adversaire qui me maltraite. Et dehors, on dit de moi. Et j'aurais fait une deal avec la personne. J'ai fait la détention que j'ai subie. Celle-ci, ça m'a fait mal. J'ai des voisins de celui de la diesté. C'est celui qui est mort, c'est celui au mort. Que je n'étais pas en prison. Que j'habitais chez Amène Bakayoko, j'ai fait la Java avec lui. Jean-Yves Dugopieu était mon voisin à la diesté. Il peut témoigner. Je n'avais pas le droit de parler de lui à un moment donné. Mais maintenant que le procès est fini, je peux en parler. C'est mon voisin, monsieur. Abbaye Jean-Noël, le commandant Abbaye Jean-Noël, était mon voisin de celui-là, la destinée aussi. Les deux là sont pas comme moi. Ils sont en vie. J'en parle pour que vous sachiez d'où je viens. C'est quand j'arrive ici et que Dr Saraka me visite en 2016 qu'il m'apprend que j'avais fait une opération de communication sans le savoir. Puisque Dr Saraka était détenu avec moi aussi à la DST. Mais on n'était pas dans la même cellule. Il était dans le conteneur qui était dehors. Dans la route. Un jour, c'était un dimanche. Qu'on ne nous sort jamais, mon geôlier ouvre ma cellule, il dit, mais tu peux prendre de l'air dans le couloir ici. Et moi, j'ai grimpé au portail. Je suis accroché au portail pour voir dans la couloir. Et mon regard croise celui de Dr Saraka. C'est vrai, là, une trousse. Et il partait se laver. Parce que ceux qui sont dans le conteneur, eux, ils sortent pour aller se laver. Et j'ai crié, docteur, les télés. Lui sait qu'il y a une seule personne dans le monde qui l'appelle comme ça. Et il lève la tête, il me voit, mais il y avait des FRC derrière lui, donc il fait comme s'il ne me voit pas. Il part, et moi il s'est approché, parce que je sais qu'il va arriver. Et quand il vient, il rentre dans leur conteneur, il y avait une fenêtre, il y avait du monde qui venait autour de lui. J'ai levé ma main, je l'ai salué, puis je suis descendu, monsieur, monsieur.
il est venu ici à la haie, il m'a dit, mais est-ce que tu sais que tu as fait une grande communication? Parce que tous ces jeunes-là venaient d'arriver à la DST. Et toute la nuit, lui, tu traques à discuter avec eux. Il dit, non, je vous dis, il n'est pas en besoin d'attraper la lutte. Il doit jamais la carrière. Il est à la rue princesse. Et Saraka lui a dit, non, c'est pas vrai, il est en prison. Sans que lui sache dans quelle prison je suis. Les gars disent, mais est-ce que tu l'as vu? Il dit, non, mais je le connais. Et donc, quand je l'ai salué ce jour-là, Saraka vient d'avoir raison. Ces jeunes-là se rendent compte qu'ils étaient manipulés. Ceux qui voulaient leur mentir, ils leur mentir. J'étais en prison à la DST, dans une condition plus difficile que la leur. Puisqu'il y a ce qu'on appelle blindé à la DST. Il n'y a que 4 cellules. Dans le plus dangereux de la Côte d'Ivoire comme là-bas. Donc j'étais considéré comme tel. Là-bas, la porte est fermée 24 heures sur 24. C'est là que j'étais. Je vous le dis pour que nul ne l'ignore. Parce que beaucoup a été dit. Pendant que je souffrais. Bref, des larmes, je ne vous ai pas eu de détails. 14 mois après, on m'a transféré à la CPI. J'y ai rejoint le plus grand nombre. Nous avons subi un procès qui a été joint. Et le 15 janvier, nous avons été acquittés. Le procureur a fait appel. Je vous épargne les détails. Le 31 mars 2021, notre acquittement a été confirmé par la Chambre d'appel de la Cour de la République nationale. Je précise que le président de la Chambre d'appel de la Cour de la République nationale est en même temps le président de toute la CPI. Donc, ces décisions sont sans recours. C'est ce monsieur-là qui a prononcé notre acquittement de président Babo et moi, pas quelqu'un d'autre. Donc, ce procès est derrière nous. Mais je sais que pendant que j'étais en prison, certains qui pouvaient sont venus me voir. Modo est venu me visiter. Tu n'étais pas obligé de venir. C'est la cause, tu nous dis, qui a fait que tu es venu. C'était difficile ce jour-là parce que tu as plein de dire, tu as plein de temps, mais tu tenais à me voir. Et puis, d'autres Ivoiriens aussi sont venus me voir. Tu ne me connais pas. Tu n'as jamais bu un seul verre d'eau dans ma maison. Ils n'ont pas connu dans un fauteuil ministériel. Mais pour notre cause, ils sont venus me voir. Ceux qui ne viennent pas y prier. Le 31 mars, c'est comme si tout s'était arrêté, moi je sais. Vos oreilles, votre cœur, pour certains, votre esprit était arrêté. Pour savoir quelle était la décision qui allait être prise pour ou contre Glenn Babo et moi. Et la décision, vous la connaissez. Nous avons été définitivement acquittés. Après une telle décision, je devais me rendre en Côte d'Ivoire, en principe. Puisque le chef de l'État a dit, si messieurs Laurent Gbagbo et Charles Bleu Boudé le souhaitent, ils peuvent rentrer chez eux à tout moment. Laurent Gbagbo est parti. Le constat, c'est que moi, ici, encore ici, je n'ai pas les passeports. Je suis venu ici avec un laissez-passer et les autorités françaises ont bien voulu me délivrer pour un séjour de 15 jours à ma demande. Comme dans notre pays, la dernière fois, on n'a pas le droit. Il faut toujours préciser les choses. J'ai fait cette demande à travers l'administration de la CPI et j'ai argumenté. Dans ma traversée des déserts, des Ivoiriens que je ne connais pas, des Ivoiriens que je ne connais pas, des Africains que je ne connais pas m'ont soutenu. Ma tradition ou éducation me recommande de leur dire merci. Je suis donc venu vous dire merci. Dans votre diversité, ceux qui m'ont critiqué, ceux qui m'ont dénoncé, ceux qui, pour des raisons supposées ou vraies, ont critiqué mon action. Je suis une personnalité publique. Dès l'instant où tu es une personnalité publique, tu es comme un boîtier sur la route. Chacun vient pour sa partie et puis s'en va. Si tu ne veux pas qu'on te critique, tu prends tes bras, tu vas au village. Il n'y a pas quelqu'un qui a été critiqué. Mais les gens peuvent être plus
diplômé que toi, plus âgé que toi, plus beau que toi, plus intelligent que toi-même. Dans le Nichès, vient d'arriver. Vous êtes deux. Je disais donc que des gens sont plus âgés que toi, plus diplômés que toi. Putain, même plus intelligent. Putain, tu veux le commander. C'est normal. Parce que chaque parole que tu prononces impacte la vie, la quotidienne. Ils doivent te critiquer. Donc, moi, je suis venu vous saluer dans votre diversité. Je ne suis pas venu saluer des partisans. C'est des cyberactivistes. C'est des cyberactivistes. Voilà. C'est des gens, c'est des esprits libres. Je suis venu vous saluer. Vous qui êtes là, tout comme ceux qui ne sont pas là. Chacun défend ce qu'il croit juste. Mon rôle, c'est de convaincre pour qu'ils viennent avec moi. Ceux qui ne sont pas compris aujourd'hui, je dois continuer de les convaincre jusqu'à ce qu'un jour, ils comprennent que mon chemin est le meilleur. Tu ne dois pas les condamner. C'est pour ça qu'on s'est battu, non? Parce qu'on est tous contre le changement. On veut le changement. Sans jamais donner un contenu et une définition réelle à ce changement. Quel changement? Quand déjà tu es dans l'opposition, que tu es réfractaire, une petite critique. Pourquoi tu critiques l'Assemblée? Et tu es pire que lui. Parce que lui, il nous combat. Il nous réprime certainement avec les moyens de l'État. Mais toi, tu n'as même pas encore les moyens de l'État. Tu nous réprimes. Mais le jour où tu les auras, on est mort. Donc moi, je vais diriger la Côte d'Ivoire demain. Quelle Côte d'Ivoire je vais diriger demain? Une Côte d'Ivoire d'unanimisme? Non. J'ai combattu la robotisation de l'esprit et de la pensée depuis que je suis élève. Et dans ma génération, beaucoup ont perdu les années d'études. Dans le combat contre l'unanimisme, certains sont morts. D'autres ont été rejetés par leurs parents. C'est un porte de ce qu'elle a vu. Avec quel regard je l'ai regardé. Si je n'accepte pas la confrontation des idées, ça ne peut pas me condamner pas. Même si je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Mais ça, c'est mon avis à moi. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est la diversité là qui rend le monde beau. Moi, je viens vous saluer dans votre diversité. Je ne suis pas venu en campagne. On est en 2021, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Nous, tous, on assiste là. On attend 2025. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire merci. Et vous dire que le procès là est derrière nous. Et que les juges de la CPI ont trouvé que ce n'est pas moi l'auteur. Mais en même temps, même si je ne suis pas l'auteur, je garde le triomphe modeste parce que mon pays est en crise. Pourquoi j'ai dit à mes partisans, à tous ceux qui me disent, gardons le triomphe modeste. Mon pays est en crise. C'est notre devoir de rapprocher les Ivoiriens de nous, de recréer. Chers amis, je suis donc venu ici. Je vous dis merci. En principe, je ne suis pas venu aborder des questions d'actualité. Ma démarche est une démarche de remerciement, de gratitude. Mais parce que vous avez droit à ça, je suis venu vous donner votre part de la victoire. Je suis venu vous donner votre part de la victoire. C'est vrai que dans le prétoire, vous n'y étiez pas. Les avocats ont apporté les arguments pour nous défendre. Mais vous, vous avez mobilisé l'opinion publique. Et il n'y a pas un seul leader sur cette terre des hommes qui peut dire que la mobilisation de l'opinion publique n'en a pas besoin. Ce n'est pas possible. C'est grâce à vous que nous avons, moi, les gardes de la CPI, cessé
de nous regarder comme des criminels. Parce que les gens sont oubliés à chaque fois. Chaque fois. À un moment donné, ils sont dit maintenant. Ça, c'est quel genre de criminel, ça? Souvent, quand les gens venaient marcher, même c'est les gardes même qui venaient taper à nos portes pour dire ah, vos gars sont là encore. Ils ont compris qu'on n'était pas des poulets sans propriétaire. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Mille fois merci à tous les cyberactivistes qui ont pris faire cause pour nous, qui ont montré au monde entier qu'il y avait des prisonniers là. Aujourd'hui, il y a des procès à ces pays. Hein. Mais qui sait même s'il y a un procès? Parce que les champions sont sortis des prisons. Vous avez mobilisé l'opinion publique, non seulement pour nous, mais pour la CPI elle-même. C'est vous qui avez fait que partout aujourd'hui, on se dit à la CPI. C'était un match bastard, des PSG qui était là. Ah, maintenant, là, ça, c'est, excusez-moi, c'est les FC qui veulent aller ici à Ouadira. Personne s'intéresse à ça. On ne sait même pas s'il y a des procès à ce pays en ce moment. Parce que pour nous, le sort, la personne. Je vous dis merci. Et parmi vous, pendant qu'on était sur le champ de bataille, certains sont tombés. Pendant Patti Patrice. La première tombée. Tout récemment, j'étais dans la famille de Maïliba. Pour la saluer. La saluer, c'est saluer sa mémoire. C'est embrasser ses enfants. C'est consoler ses soeurs. Je suis resté avec eux. Et ils ont compris qu'ils ne sont pas seuls. Parce que nous, les politiciens, on oublie souvent. Que ceux qui nous soutiennent, ils sont des membres, n'est-ce pas? Ils sont des familles. Moi, on me reprochait à la CPI. On dit, ouais, Bleu-Boudé, les gens n'est pas qui. C'est un se moquer de moi. Je ne vais pas rester ici, mais je connais quand ils m'attendent ici. Je leur ai dit, Babou Laurent et moi, nous sommes les porte-parole de n'importe qui. Et quand on est en prison ici, là, ceux qui sont dans la rue, là, c'est les enfants de n'importe qui. Je ne vois aucun enfant d'un DG. Ou d'un ministre dans la rue. C'est nous, n'importe qui, là, on soutient les gens. Donc, laissez-moi au moins recevoir les n'importe qui. C'est le seul salaire que je peux leur donner. En leur permettant, parce que c'était dans la même salle, des visites pour les nous tous. Quand ils me saluent, le président Babou à côté, le salue aussi. J'ai permis à de nombreux Ivoiriens de serrer la main à leur idole, Babou. Et j'en suis fier. Si tu étais à recommencer mille fois, il y a le fait parce que Babou Laurent n'est pas le chef d'un clan, c'est le chef de toute une Côte d'Ivoire qui nous reprend. C'est un homme pluriel qui transcende les frontières. En tout cas, voilà ce que moi je conçois. C'est pourquoi je le fais. Et je suis venu ici pour vous dire merci. Merci à vous tous. Et comme je dis, c'est la simple raison de ma présence ici. Si vous avez quelques petites questions, pardonnez, ne bombardez pas, mon chapeau de iPhone, il est bleu et long. Monsieur le ministre. Oui, Mado. Nous sommes contents. Merci pour tout. Merci pour tout. Et dans cet échange avec nous, il y a eu beaucoup de vérité. Effectivement, je fais partie des personnes à qui tu as permis aussi de saluer le président Laurent Gbagbo grâce à l'acceptation, n'est-ce pas, de ma demande de visite. Merci beaucoup. Et j'aimerais dire ici aussi à tout le monde qu'en général, on a du mal à apprendre à connaître quelqu'un. Et souvent, on peut être réfractaire sur un certain nombre de caractères. Mais avec le temps, j'ai appris à connaître le ministre Charles Boudé.
Et à des moments difficiles, lorsque j'ai perdu ma mère tout dernièrement, tous les militants, toutes les sections du COGEP ont eu pour instruction de venir me dire Yako. Parce que le ministre Charles Goudé leur a demandé de venir me dire Yako. Je dis ça, c'est un aspect personnel, mais je le dis pour que chacun d'entre nous comprenne. Comme il a si bien dit tout à l'heure, en général, les hommes politiques ne s'attardent pas sur la vie personnelle de ceux qui les soutiennent. Mais lorsque quelqu'un tu peux me remplacer deux secondes. Perçoit ton combat, perçoit ton sacrifice, et donc, comme il a dit tout à l'heure, il recevait n'importe qui. Et donc, n'importe qui que nous sommes, il a quand même pris le temps et tout de marquer, de donner en tout cas des gages de compassion et de compréhension de notre douleur. Donc, en tout cas, merci. Vous avez compris le message. C'est tout ce qu'on souhaite et tout d'un leader. Un leader qui est à l'écoute, un leader qui discute, un leader aussi qui comprend les appréhensions des uns des autres. Et surtout un leader qui a cheval et tout, sur tout ce qui est important pour nous, à savoir la liberté d'expression. Merci, ministre Charles Goudé. Et en tout cas, nous donnons la possibilité à ton équipe de permettre aussi aux autres de communier avec toi. Moi, en ce qui me concerne, voilà, tu prêches à un convaincu. En tout cas, merci pour tout. Non, si... Voilà, dans le nom de la parole. On l'a libéré. Je suis vraiment content. Pardon? Et à une fois que je suis content d'être ici, le général Charles Bleu Goudé, c'est quelqu'un qui a marqué la jeunesse de beaucoup de personnes. Quand il s'exprimait tout à l'heure, il a dit qu'il a été l'objet de beaucoup de calomnies. Mais mon jeune, qui est regardé, observé le combat du ministre, ça m'a touché. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi des gens pouvaient réagir de la sorte par une personne qui a donné sa poitrine, sa vie pour sa nation. C'est un vrai patriote. Non. Ce n'est pas. Je ne peux pas les écouter. Parce que j'espère diriger la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit. Celui qui veut diriger la Côte d'Ivoire, il doit être un modèle. Là où nous sommes arrivés, nous ne pouvons même plus bâtir avec quoi que ce soit. Lorsqu'il est sorti de prison, voici le ministre Charles Boudé qui vient à Paris pour recevoir les Ivoiriens. C'est un acte fort. Il ne sait pas qui lui a donné ce conseil-là, mais qui le remercie la personne. Qui le remercie la personne. Je ne vais pas être... Je veux vous citer pour terminer, parce que tout à l'heure, je dois y travailler. Le ministre Charles Boudé, il avait dit qu'il est la rosée qui enlève les loups qui est sur le chemin et tout ça, et le chef vient à passer. Mais je pose cette question. Pardon, c'est que tu veux dire la faute. Mais le ministre samedi, il a eu à dire que lorsque le champ n'est pas très bien, c'est le père qui passe devant et le fils qui est derrière. De quoi le ministre de Goudé a peur? C'est une question. Je le dis et je le répète, ce monsieur que vous voyez là, il a marqué toute une génération de jeunes. Son électorat, 18 ans à 40 ans, voire 50 ans. Monsieur Charles Boudé, affirmez-vous. Je vous remercie. L'exercice que j'adore. Là, on va voir. Donc, non. Si tu trouves un leader qui dit qu'il n'a pas peur, ce n'est pas vrai.
avoir peur aussi, ne pas non plus dire qu'on n'est pas courageux. C'est Mandela qui l'a dit. Il dit le courage n'est pas l'absence de la peur. Et il a essayé d'imager lui-même une situation qu'il n'avait pas vécue. Où il était dans une voiture alors qu'il était en clandestinité, puis il a été arrêté. Mais il a mis en jeu son titre d'avocat pour effrayer le policier. Et le policier avait tué. Et pourtant, au moment où il était en train d'effrayer le policier, lui-même à l'intérieur de lui, il avait peur. Je prends mon cas moi-même. Le 31 mars, moi, je descends d'une voiture. Je suis en train de marcher en costume comme ça pour aller affronter mon destin. C'est-à-dire, là où je vais dans l'inconnu. Le 31 mars, ma vie se trouve au bout des lèvres d'un homme qui est le juge. J'étais serein. Je te dis que moi, je suis un homme. Je termine toujours ce que j'ai commencé. La constance ou le respect de la constance, cette trilogie, la pensée, la parole, l'acte, c'est ce qui fait un homme. Ce que tu penses, c'est abstrait. Personne ne le sait. Ta parole exprime ta pensée. À partir de là, on sait ce que tu penses à partir de ta parole. Et l'acte matérialise ce que tu as dit. Cette trilogie-là doit répondre à une constance. J'ai juré fidélité et loyauté au président de la Cour. On ne m'a pas envoyé. Je vais aller jusqu'au bout. Quel que soit ce qui va se passer, je vais aller jusqu'au bout. Ça ne m'empêche pas d'exister. Je suis Charles Lecoute, président du Cogep. Et pourtant, je suis loyal au président Babou. Je m'organise pour compter demain. Je ne veux pas être un sac au dos. Je ne veux pas être un nénuphar politique. Le nénuphar, c'est cette plante aquatique verte avec des feuilles larges. Ça n'a pas de racines, ça flotte. Comme le fleuve, je vais faire mon propre lit. Est-ce que vous avez un peu compris ça? La vie est un choix. Bon, non, bon. Il y en a qui décident d'être des parasites à vie. Il y a des parasites politiques en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les parasites ne vivent qu'à partir des substances des autres arbres. Moi je suis au campement. Tu as deux sortes de champignons. Tu as les champignons qui poussent sur les palmiers et les arbres. Donc quel n'a pas d'arbre, eux, n'ont pas de vie. C'est les parasites. Et puis là, tu as les champignons qui sortent directement du sol. C'est ce champignon-là que je vais faire. Rien que la vérité. Mais ça ne me permet pas, ça ne m'empêche pas, ça ne m'emmène pas à ne pas respecter moi-même mon propre engagement que j'ai pris. J'étais à l'école en Angleterre quand la Côte d'Ivoire attaquait en 2002. Si tu trouves un seul individu en Côte d'Ivoire qui dit « Allô, viens », c'est un menteur. Je le dis aujourd'hui, ça reste la première. Si vous trouvez un seul individu en Côte d'Ivoire qui dit « Ma voix a téléphoné en 2002 quand la Côte d'Ivoire a été attaquée », vous dites « Charles, viens », c'est un menteur. C'est une décision personnelle. J'ai répondu au battement patriotique de mon cœur. Autour de la Côte d'Ivoire. J'ai mal fait. J'ai bien fait. Chacun précise. J'ai fait ce que je croyais être juste en ce moment-là. Mon pays. Ouais. Il y en a qui ont aimé. Il y en a qui n'ont pas aimé. Mais je continuerai d'expliquer que pour arriver au pouvoir, pour moi en tout cas, une seule voix, la voix des urnes et non la voix des armes. C'est ma position à moi. D'autres peuvent penser autrement, mais ils doivent accepter que je ne partage pas cette position. Et on ne peut pas me brûler pour ça. Tu comprends? Donc je continue sur cette
Et celui que je soutiens, pour qui je suis venu en prison, je le considère comme mon père. Et j'estime qu'à un certain moment, un enfant doit être heureux que son père soit heureux. C'est ainsi qu'on fait. Et je ne veux pas qu'on utilise le fait que je suis ici en Europe sans que je sois un passeport pour fragiliser ma vie. Mm-hmm. Wow. Ça encore, c'est une position personnelle. Ouais. Ça peut me coûter ce que ça va me coûter. Mais c'est ça qui fait charme de goûter. Je ne suis pas un papillon politique. Il y a déjà, tu vois, ils ont mis à peine 30 ans. Ils ont fait le tour de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Tu l'as demandé, on n'a pas le choix. Non, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Sauf que chaque choix a une conséquence. Ils ont plutôt peur d'assumer les conséquences de leur choix. C'est ça. Moi, je suis tenu Babou. Ça m'a valu dans ce pays. Tu m'as valu pleurer. Mais parce que ma conscience est libre. Mais libre. Mais libre. Ce que vous voyez ou que vous croyez libre, c'est le plus grand prisonnier ambulant du monde. C'est le plus grand prisonnier ambulant du monde, ce que vous croyez libre. Donc je vais te dire, je n'ai pas peur de ma vie. Je suis déjà affirmé, je suis président des partis politiques. Alors que celui qui est venu ici, est là, il est président des partis politiques. Il faut avoir la personnalité. Sans renier celui à qui vous jurez loyauté. C'est pourquoi je souhaite que cette question là, qui va passer, le président est prêt. J'estime que mon tour viendra. Mon tour viendra. Et pour finir cette question, quand tu es en prison, tu as deux attitudes. Quand on prend ton voisin, parler le français et lui faire du mal pour le frapper. Ton cœur bat. Quand on prend ton voisin en prison, pour aller le frapper, lui faire du mal, ton cœur bat. Mais quand on le libère, qui plus est, il va à la maison chez lui, tu te dis, ok, c'est que mon tour va arriver. Moi, j'étais à la DST en 1995 avec des camarades plus de Malapikas. La nuit, le policier rentre dans la salle Moro. Il prend le premier. Fire. Il frappe. On est dans la salle, il peut entendre Dieu. Wow. On est passé dans l'officier là. Ils reviennent, ils me prennent. Ils vont me tabac comme ça. Ils me frappent. Ils me ramènent. Ce coucher là, avant ça. Le gars va se promener. Il revient 15 minutes après. Il dit au suivant. On est pas en ils vont frapper Fire. Ils vont frapper. Il reste dans la picasse. On dit au suivant, et puis mais les gars. Non, 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 j'ai décidé d'adopter une ligne depuis que je suis sorti. Je vais servir d'instrument de paix dans mon pays. C'est pourquoi je me tais et puis je regarde. On n'est pas peur. C'est à toi je vais dire, n'aie pas peur. Le temps de la clarification viendra tôt ou tard. Pour le moment, les petits singes se cachent derrière l'arbre sacré puis la pipe de bruit. Alors qu'ils savent, les petits singes, ils ne peuvent pas frapper le bruit. Donc il se calme derrière l'arbre sacré et puis il a fait de goyer. Si tu as pris un petit caillou, tu dis, oh, tu as désacralisé l'arbre. Mmh. Voilà. Passez la part par moi. Le débat il est ouvert. Celui qui vous pose une question, il lève la main, le ministre le regarde. Il est... Non, ça filme, non. Et prenez la peine de question. Présentez-vous aussi pour qu'on puisse mettre un nom sur le visage. Chrisby. Ah, Chrisby.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, vous venez de partir. Ma présence ici ce soir, c'est... J'ai une question à poser au président de l'UDI. Moi, je l'appelle président. On se connaît, c'est pas aujourd'hui, depuis que notre pays a été attaqué. Et moi, je l'ai vu en action. Et automatiquement, je suis rentré au studio. Où j'ai dit, notre pays, c'est un grand pays. Donc, j'avais dit à l'époque, 10 petits pays ne valent pas un grand. Et honneur à Blé Boudécha. Parce qu'il a mobilisé les Ivoiriens, il nous a mobilisés. Mais en même temps, en tant que patriotes, nous tous, on avait ça dans l'âme. Il fallait faire quelque chose pour défendre le pays. Alors, toutes ces années se sont passées. Nous connaissons tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. On ne va pas revenir en arrière. Aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs discours de Blé Boudé. Ma présence ici, c'est pour comprendre quelque chose. Et je sais que ça va faire couler beaucoup d'entre. Moi, je suis ivoirien. Je veux la réconciliation. Et quand je vous entends parler de paix, ça me réjouit, ça me réconforte. Alors, ce que j'ai envie de savoir, vous avez dit que vous voulez accompagner le père. Ça veut dire que vous êtes respecté du père. Après le père, vous allez vous prononcer. Mais en attendant, vous êtes président d'un mouvement. D'un parti. D'un parti. Ok. Aujourd'hui, maintenant, je sais que c'est un parti. Alors, quelle est la vision de ce parti? Qu'est-ce que vous comptez faire en attendant le père? Et quelle est la ligne directive? Quelle est la vision pour vous, pour la Côte d'Ivoire? C'est pourquoi ma présence est là ce soir. Merci. Merci. Alors, merci, M. Sibi. Moi aussi, je voulais te saluer. J'étais très content de te voir ici. Sinon, c'est toi. C'est toi. Parce que, au moment de Brest, en 2002, effectivement, tu es entré en studio. Et nous tous, on a dansé au son de cette chanson-là. Qui nous a fait vibrer. Parce qu'en ce moment, on était stressé. On était vraiment stressé. Et tu as joué ton rôle à travers ta musique. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort. Moi, aujourd'hui, je parle de paix, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à parler de paix. C'est moi qui ai conduit la caravane de la paix. C'est moi qui suis entré à Boaké. Je ne suis pas entré à Boaké lors de la flamme de la paix. Parce que lors de la flamme de la paix, là, tous les chefs de l'État étaient invités. Tous les chefs d'État d'Afrique étaient invités. Donc, Boaké était sécurisé. Moi, je suis entré. Que j'avais entrepris des discussions directes avec Ouattara. Je les ai invités dans mon village. Ensuite, ils m'ont invité à Boaké. Mais le jour où j'ai annoncé au projet que je m'en vais à Boaké et que même je vais y passer la nuit, mais la salle était calme. Je dis, pourtant, je dois y aller. Et j'y suis allé avec ma fille. Je suis entré à Boaké en 2007. Ma fille est née en 2004. Elle avait 3 ans. Sa mère aussi m'a accompagné. Je ne suis pas le leader qui dise prêt partir. Moi, c'est prêt pardon. Moi, c'est prêt pardon. Cette paix-là, que c'est mis. On l'a bâti. Et puis après, les élections ont ramené la guerre. Aller dormir dans une ville symbole de tes adversaires qui, eux, te prennent pour des ennemis. Il faut avoir du camp. Mais j'étais le premier à poser les pas. Je n'ai pas attendu qu'eux viennent vers moi d'abord. Parce que pour bâtir la paix, c'est ça. Il ne faut pas toujours attendre de l'autre. Toi-même, il faut poser des pas. Parce que tu crois en cette paix. Sans que tu ne mets rien à attendre. Et plus tard, sans que tu te rendes compte, étant en confiance, il va t'accompagner. C'est ce que j'ai fait en 2007. J'ai invité la jeunesse des forces nouvelles dans mon village, à Pogromri. Mes parents ont communié avec eux. Mes parents ont donné des moutons, de l'argent qu'ils ont cotisé. Symboliquement, payer les transports de tout. Je ne sais pas si tu leur donnes de l'argent, hein. Mais si, je dis symboliquement.
c'est signe d'amitié, signe d'acceptation au pays Bété. Je les ai présentés à mes parents. J'ai dit, on s'était battu avant, maintenant on a fait la réconciliation. Ces films-là ont été présentés à ces pays. C'est ça aussi qui m'a libéré. Les gens m'oublient souvent. Ouattaro, j'ai été le chercher. Lui aussi, il est venu me chercher. Père à son âme. Et puis, on a commencé à faire le tour de la Côte d'Ivoire. Et finalement, je les ai tous invités au stade de Yopougon. En présence de la première dame Fumon Évry Gbagbo en son temps. En présence de Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale en son temps. Konaté Sidiki, porte-parole des forces nouvelles, est venu. Soultou Soul, qui en ce moment est en prison, protocole du président Diop Soro, était aussi là. Tout cela était là. C'est moi qui ai organisé ça. Où j'ai réuni dans un même stade tous les contraires au nom de la paix. Tous les contraires au nom de la paix, dans ce stade-là. Après, j'ai invité Jesse Jackson dans ce même stade. C'est un apôtre de la paix. J'ai fait ce que je pouvais. Ça n'a pas marché. C'est pas ma faute. Moi, au moins, j'ai essayé de pas pour la paix. Jesse Jackson, qui est venu en Côte d'Ivoire, je ne l'ai pas conservé pour moi seul. Il a rencontré tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Il a rencontré le PDCIRVA. Il a rencontré le FPI. Il a rencontré le RDR. C'était Mme Arlette Diabaté qui les avait reçus. Mais parce que je voulais qu'il rencontre tout le monde pour la paix. Voilà ce que j'ai fait, Modo. Malheureusement pour moi, peut-être que j'y rêvais trop. Et il y avait d'autres enjeux que moi, je ne maîtrisais pas. Puis la guerre a éclaté encore en 2011. On ne va pas refaire l'histoire. Quand je suis rentré en prison, eux, ils pensaient me faire du mal. Ah, mais garder 14 mois en isolement à la DSP, sans que je vois personne et que personne ne me voit. Au lieu de pleurer, je dis, ok. La prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est un lieu d'enseignement. C'est un lieu de bilan. Donc, j'ai eu 14 mois pour repasser en revue tout ce qui s'est passé, pour réfléchir sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi malgré tous mes efforts, on est arrivé à là. Qu'est-ce que je dois faire si je sors? Puis je commence à faire mes petits plans. Mais comme je n'avais pas de stylo, je n'avais pas de cahier, je n'avais pas droit à tout ça, tout était dans ma tête. C'est quand j'arrive à la CPI que je couche tout ça sur ce papier. Donc ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose que j'ai préparé depuis ma cellule de prison. Si je sors de prison, je vais utiliser mon leadership pour rapprocher les Ivoiriens de nouveau. Servir d'aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Et non servir de lame pour trancher davantage. Parce que ça ne sert à rien. J'ai été beaucoup plus renforcé après le décès d'Amin Bakayoko. En plus, après le décès d'Amadou. J'ai compris que la vie n'est rien, les gars. On se tape la poitrine. La vie n'est rien. Pendant que nous sommes en vie, essayons d'aimer les autres. C'est le message que moi je suis venu vous passer. Ça ne vous empêche pas d'affirmer votre idéologie, d'affirmer votre différence. Non, dans le respect de nos différences. Et selon d'avoir un consensus national. Les Français ont un consensus national. Ils sont de gauche. Ils sont de droite. Quand on parle de la France, il n'y a plus de Français de gauche ni de droite. Est-ce que ça, ça ne peut pas exister en Côte d'Ivoire? Voilà mon rêve. Ça vaut 1000 programmes de gouvernement. Tu vas venir blâmer ici. J'ai fait ça, oui. J'ai fait l'école, j'ai fait l'agriculture, tout ça c'est des conneries. Tu vas faire l'agriculture là pour qui? Ton café là, tu vas faire ça pour qui? L'école là, tu vas aller à l'école. Si les enfants, même mon père, va aller à l'école parce qu'il y a la guerre. Comment tes parents vont aller au champ? Le vieux là, il est là, il tape ma chatte à côté, puis il va aller. Il tape, il est là derrière. Parce qu'il a peur. Un esprit qui a peur ne peut pas produire. Qu'il soit intellectuel ou paysan, un esprit qui a peur ne peut pas produire. La Côte d'Ivoire vit dans la peur. Une partie a peur. Une grande partie. Quand tu dis une partie a peur, même ceux qui sont au pouvoir ont peur. Quand quelqu'un te dit, si on perd le pouvoir, on va aller en exil, ou bien ils vont nous tuer, ou bien ils vont nous mettre en prison. C'est l'expression d'une peur. Oui, exactement. Donc tout le monde a peur. Les autres sont là, ils sont sur vibreurs. Vous savez du quoi ils sont sur vibreurs? C'est-à-dire qu'ils sont là.
Regarde le 6 avec 9 là. Ça, c'est du vrai. Le jour où tu le sens, n'est-ce pas? Est-ce que c'est dans cette Côte d'Ivoire qu'on veut vivre? Où on a pensé que c'était terminé? On avait espoir. Et pourtant, le pire nous attendait. On a pensé que c'était fini. Regarde ce qui s'est passé en 2011 dans ces petits. Maintenant, on prend peut-être l'homme pour jongler dans le fond. C'est le comble. C'est le comble. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça veut dire que nous sommes interpellés. Nous, la classe politique ivoirienne, nous sommes interpellés. D'abord, pour amener nos concitoyens à comprendre que l'adversité politique ne rime pas avec la guerre. Mais quel leader politique peut être courageux pour dire ça à ses militants? Quel leader peut affronter le regard mécontent de ses partisans? Quel leader peut être courageux pour dire non, on s'est battu un moment, maintenant faisons la paix? Quel leader? Moi je suis prêt à ça. Je ne le fais pas pour le président Ouattara. Je ne le fais pas pour le président Bédié. Je ne le fais pas pour le président Gbagbo. Je le fais pour ma génération. Et celle qui arrive. Parce que nos enfants ne vont pas nous pardonner, Christ dit, de leur léguer un pays qui est permanentement en conflit. Où tout ce qui peut jouer au billet, il y a un modo. Il m'a gagné 3 billes net. Il a joué à FCBT. Il m'a donné un coup de poing. C'était. Oh! Un joueur a frappé un BT. Ou bien un BT a frappé un joueur. Ou bien un Gbagbo l'a fait. C'est devenu un conflit communautaire après les petits billons. Ça veut dire que le feu couvre. Je prends l'exemple de Dabi Issiaka. J'en parle toujours. Ça peut m'écouter, c'est que ça peut m'écouter. Je dis, moi, je ne suis pas fâché après lui. Parce que moi, je regarde autrement son attitude. Son attitude est révélatrice de ce que le feu couvre encore. De ce qu'il y a encore des Ivoiriens qui ont des rancœurs. De ce qu'il y a encore du travail à faire pour apaiser le cœur, pour penser les plaies. Parce qu'il y a ceux qui ont été blessés, moralement, physiquement, financièrement, tout. Des gens qui étaient des tuteurs hier sont des sous-couverts aujourd'hui. Ils sont réduits à rien. Cela, ils ruinent l'agence. Il y a ce travail à faire de son côté. Parce que tant que tu n'as pas un tableau de bord, tu ne peux pas bouger. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui ont peur. Ceux qui nous enlèvent à la mort. Voilà. Celui qui a désiré la Côte d'Ivoire, d'un côté, il doit rassurer les peurs, de l'autre côté, il doit penser les plaies. Pour rapprocher les images de nous. Attends, parlons pour d'abord. Si je rentre en Côte d'Ivoire, c'est tout ce que je vais faire. Maintenant, une fois que le calme est revenu, et que les Ivoiriens sont rassemblés, que la paix est revenue en Côte d'Ivoire, que tous les esprits sont disposés, je suis prêt à affronter n'importe qui, sur n'importe quel débat politique, économique, agricole, mathématique. J'ai pris tout le temps, j'ai eu 10 ans en prison. Je suis prêt. Je suis prêt. Et quand il dit je suis prêt, je veux la confrontation des idées. Tout à fait. Je veux pas la confrontation physique. Je veux la confrontation des idées. Tu veux que tu t'assoies. Toutes les caméras sont là. Tu dis aux Ivoiriens ce que tu veux faire pour eux. Et puis moi, j'ai dit pour moi. Et puis, ils vont choisir. Ils demandent à papa là-dedans. C'est les Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vais doucement, doucement. C'est pourquoi le fait même qu'on ne donne pas un passeport, je n'en fais pas un sujet. Parce que moi je suis en vie, donc je peux parler de passeport. Ah, parce que souvent, on oublie ça, nous, les leaders. On veut tout ramener à nous. C'est parce que tu as envie que tu parles de passeport. Tu as même la chance même que tu as envie. En tout cas, tu parles de passeport. Il y a des gens pour plus voir les enfants. Il y a des femmes qui ne peuvent plus voir leur mari. Non, toi, tu
pas, mais ils sont en prison. Ils sont morts. C'est pas des... Tu es en prison, mais tu as eu la chance. Parce qu'il faut faire l'inventaire de tout ça. Moi, en tout cas, mon acquittement, là, je ne considère pas ça comme un trophée mondial. Cet acquittement doit servir de socle. Et l'offrir comme socle de réconciliation aux Ivoiriens. Si on veut prendre ça pour narguer les autres, c'est qu'on n'a rien compris dans la vie. Moi, j'ai tiré les leçons et les enseignements de ce qui a vécu, qu'elle a quoi avec eux. Tu ne parles pas de moi. Passe-moi là-haut. Tôt ou tard. C'est pas grave, maman, il n'y en a pas aussi. Non, on a un problème. Mais moi, je ne pas dit qu'il n'y avait pas. Non, mais maintenant, c'est. Parce que j'ai pris sa valise. Bon, donc, dans cette histoire-là, c'est ce qu'il y avait. Pour le résumer, en tout cas, je pense que je le dis, et parce que je sais que la question va être posée, je ne veux pas faire de la question de mon passeport une question centrale, nationale, centrale, nationale, internationale. La Côte d'Ivoire a d'autres problèmes. Oui, tout à fait. Une fois que tout est apaisé, là, je n'aurais même pas besoin de dire qu'on a quand même donné un passeport plus amélioré. On demande à Adam de reste. Mais je veux rentrer en Côte d'Ivoire pour participer à ce processus-là. Et puis quand le jour de la compétition va arriver là, on va faire la compétition. Parce que moi j'ai passé tout le temps en dernier. Pourquoi ils m'ont fait des phrases là? Nous continuons avec la série des questions et on va faire honneur aux dames. Bonjour. Je me prénomme Bouad Djedré Mourada. Je suis venu poser une question parce que la dernière fois j'étais dans la salle, samedi 26. Et j'ai fait le retour à certaines personnes sur ce que vous aviez dit. Et pour moi qui ne connaissais rien du tout de la politique, hein, en réalité, je ne connaissais rien du tout de la politique de la Côte d'Ivoire, et je suis rentré dans cette résistance-là à cause de ce qui s'est passé le 11 avril. On est beaucoup, en fait, qui avons cherché à comprendre ce qui s'est passé dans notre pays. Et au fur et à mesure de tout ce qui s'est produit dans les 10 années hein, où on était dans la rue, et comme vous l'avez beaucoup souligné, nous les cyberactivistes, nous qui étions dehors, on s'est fait rabrouer. C'est comme si ce qu'on avait fait, c'était tout et puis n'importe quoi. Ça a été pris comme du mépris. Enfin, moi, j'ai pris ça comme si on nous méprisait. Pourtant, c'est un peu grâce à nous tout ce qui arrive là aujourd'hui. Alors, ce qui a donné un ressentiment, hein, on a eu du ressentiment envers les politiques. Et moi, j'en fais partie. C'est-à-dire que je ne suis ni d'aucun bord politique et ça ne m'intéresse pas de l'être. Parce qu'en fait, il y a une fracture entre les politiciens et puis nous autres. Alors, comme vous dites que vous allez... voulez être président en 2025, la question que je vous posais, elle est simple. Comment faire que les jeunes comme moi, qui sommes découragés des politiciens ivoiriens, nous allons vouloir peut-être vous suivre, vous, puisque c'est vous que j'ai dans la salle ici. Voilà la question, en fait. Comment faire pour que la jeunesse ivoirienne, qui est vraiment découragée des politiciens, le régime de confiance. Tout à fait. Mon frère, moi j'ai fait mon français ivoirien. C'est quoi que j'ai donné? Oh là, pourquoi la pauvre? Moi j'ai compris ton français. Merci d'abord. Voilà la question. Vous savez ce qu'elle dit là? Ça rappelle les 90. Vous avez des candidats 90 contre Fouboy. Bon, je n'ai pas fait mal au Brahim Bondier. Le Brahim Bondier, le parti Bondier, vous le connaissez? Oui, il n'avait pas de campagne.
au black, à Adam. Bon, le garçon là, il doit arriver. Il dit, peuple, de quoi dit-il là? Nous sommes venus pour solliciter vos suffrages. Il y en a qui ont dit, peuple, vite, la somme anglaise. Et puis deux après, vous êtes venu. Il dit, votez-moi. Donc, je comprends. Moi, je dis, regarde le conseil. Elle dit, non, elle va dans ça. Merci beaucoup. Non, moi, je pense que c'est un exercice quotidien qu'il faut faire. C'est un exercice comme celui-là. Au-delà des grands rassemblements. Parce que souvent, les politiques oublient qu'ils sont des employés. Et que leur employeur, c'est le peuple. Il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on arrive à ça dans notre pays. Mais sur notre continent. Parce que ce problème n'est pas singulier à la Côte d'Ivoire. Moi, je suis africain avant d'être ivoirien. Je suis panafricain. Quand tu te comportes comme un employé, tu sais que tu as des devoirs envers ton employeur. Tu as même des obligations de résultats envers ton employeur. Mais est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est considéré comme l'employeur des politiques? Question. Je ne sais pas, j'ai des mains. Est-ce que les gens savent que c'est le peuple qui les met en mission? Ou alors ils se mettent en mission eux-mêmes au nom du peuple? Si nous, peuple de Côte d'Ivoire, on réussit à prendre conscience que c'est nous les employeurs, aucun homme politique ne peut se comporter comme il veut. Puisqu'il sait qu'il a une obligation de résoudre. Vous êtes en France? Et si un homme politique français ne fait pas ce qu'il a envie de faire? Parce que chaque mois, il y a le pôle opinion. Il y a le pôle opinion chaque mois. Où on dit, bon, ces deux derniers mois, ces trois derniers mois, voici un peu les sondages. Ce qu'on appelle en anglais le pôle opinion. C'est qui sort là. Une seule phrase. Peut te plonger. Une seule phrase, une seule attitude peut te plonger. C'est pourquoi ils sont en droit, ils sont en règle. Le seul fait même d'ouvrir un compte dans un autre pays, ça a fait chuter des politiciens en France ici. Jérôme Cahuzac. Tout à fait. On dit, viens t'expliquer pourquoi tu laisses la France et puis toi, tu vas ouvrir un compte dans un autre pays. Vous voyez le patriotisme. Chez nous, il y a quelqu'un qui met l'argent sur la table, il compte les bureaux. Et puis ça dit, wow. Et c'est lui-même qui allait à la banque là. Voilà. Vous voyez quelqu'un qui vient sur scène, et puis il travaille. 3 millions. Qui c'est dans le temps, Olivier? C'est quitté où? Est-ce qu'il y a un compte de pouvoir? Est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle? Fais en sorte que les billets circulent moins. Fais en sorte d'amener le peuple à avoir confiance dans sa classe politique. Voilà ce qu'elle a posé comme problème. Est-ce que ça peut concerner? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Les gens se battent pour que la politique les nourrisse. Les gens ne se battent pas pour être utiles, mais ils se battent pour utiliser. Moi, je pense que notre classe, notre société doit être repensée. Notre société doit être repensée. Parce que nous sommes les produits d'une société. Mais nous produisons une société. Produit d'une société. Production d'une société. Dans notre pays, par exemple, le produit que nous sommes, c'est qu'on nous a appris. C'est la promotion de la vitesse. Et de l'immédiat. On veut tout, tout de suite et maintenant. Et les expressions foisonnent. Tout le monde n'est pas loin. En même temps, il y a. Ça a tellement évolué que maintenant on dit chap-chap. Pour qu'on a gagné temps. Voilà les produits de la société que nous sommes. Il faut changer ça. Ce paradigme-là, cette manière d'être-là, il faut changer ça. Pour montrer aux gens que quand tu as vu un plat fumant sur une table, c'est qu'il y a une femme qui l'a fumé à frapper dans la cuisine. Ce que tes yeux regardent avec envie,
ou souvent avec jalousie. C'est le résultat de la pensée. C'est le résultat de l'énergie de quelqu'un. C'est que toi, tes yeux regardent avec envie. Que tu veux avoir tout de suite. Là. C'est tout ça qu'on va changer. Mais est-ce qu'on est prêt? La question est là. Est-ce qu'on est prêt? Ma soeur, est-ce que demain, on n'est pas prêt à se cacher la nuit pour aller voir un ministre ou un DG? Voilà 2 millions pour mon fils à l'école. Et puis après, on vient, après, on crie. Non. Hey. Il est corrompu. Mais c'est toi qui l'as corrompu. Quand il a corrompu, il y a corrompu. Est-ce qu'on n'est pas à changer tout ça? Est-ce qu'on est prêt à ne pas aller s'aligner devant la maison d'un ministre tous les matins pour qu'il me donne 1 million, 2 millions? Mais tu connais le salaire d'un ministre, non? Moi, je connais le salaire d'un ministre. J'étais ministre. Tu sais qu'il ne peut pas payer tout ça. Non, c'est toi qui le pousse à ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'institutionnaliser l'aide, systématiser l'aide. Au lieu, on parlera même de solidarité nationale. Vous appelez assurance ici. C'est-à-dire, tout ça, les plus riches ont un quota qui paye, ainsi de suite, pour permettre aux faibles d'être tirés du bas vers le haut. Parce que si c'est Modo qui vous êtes, par exemple, le jour Modo ne peut plus le lever malheureux. Tu viens, ah Modo, vraiment, tu sais, on vient de devenir directeur général là, le vrai est content, hein. Mais il disait, mon fils n'est pas là à l'école, demande 200 000, il donne 200 000. Dès que tu sors net, l'autre rentre. Ah, Modo, tu sais, ça va pas, demande 500 000, il donne 600 000. Mais tu le pousses à voler. Tu le pousses à voler. Parce que ce que tu demandes est au-dessus de ses moyens. Et quand il ne vole pas, il te manque. Il commence à te donner des faux rendez-vous. Tu viens, on dit, il n'est pas là. Oh, il est là. Ça veut dire que tu m'amènes. Il y a tout cela qu'il faut le voir, ma soeur. Moi, je n'ai pas de bâton magique. Je ne suis pas blanc comme neige. J'ai au moins mes idées. D'abord, ensuite, j'aurai une équipe qui va m'accompagner et qui est prête à ce changement-là. Déjà, apprenons à être nous-mêmes. C'est ce que c'est. Être soi-même, c'est un combat de tous les jours. Parce que la recherche d'approbation d'autrui nous détruit. Assume-toi. Ne soutiens jamais une cause que tu ne partages pas. Ne soutiens, je dis de Côte d'Ivoire, ne soutiens jamais une cause que tu ne partages pas. Tu te mens toi-même. Tu mens ta conscience. Tu applaudis alors que ton cœur dit, il ne faut pas applaudir. Mais comme quoi, vous, à côté, il applaudit là, toi aussi, tu applaudis. Pourquoi vous faites ça? Moi, papa, je ne soutiens jamais une cause que je ne partage pas. Fais ce que tu veux. Je suis en train de rire et de dire non, je ne veux pas. On m'a dit, pourquoi il a créé le cogep? Il a trahi. J'avais envie de créer le cogep. Je l'ai créé. Et puis je l'ai assumé. Voilà. C'est comme ça, non? Et puis après, maintenant, tu vas expliquer maintenant. C'est comme tu as fabriqué ton petit produit. Au début, les gens ne connaissent pas. Parce qu'eux sont habitués à un autre produit. Prends le temps. Le PDC et au four, ont pris le temps pour implanter le PDC. Babou Laurent avait sa serviette au cou. Il a pris son temps. À la Safra, Ouattara et le RDA ont pris leur temps pour implanter leur parti. Je prendrai mon temps pour implanter le projet. Donc d'abord, soyons nous-mêmes. Ça, c'est ce que je vous dis, soyons nous. C'est difficile, ma soeur. Surtout dans notre société. Être soi-même. Parce qu'il y a des gens qui sont chez eux-mêmes. Là où on fait transfert d'argent à leurs camarades, eux, on leur fait transfert des aides. Là où on fait transfert d'argent, là, quand on fait Western Union, on fait MoneyGram, on fait Orange Money, donc on fait transfert d'argent. Eux, on a fait transfert de la haine. Ça veut dire quoi, transfert de la haine? Ça veut dire que tu ne connais pas Modo. Tu ne l'as jamais vu dans ta vie. Il ne t'a jamais rien fait. Parce qu'elle est venue te dire qu'il faut le haïr parce qu'elle elle le hait. Tu te demandes de te mettre dans ta caméra, tu commences à l'insulter. Tu le connais pas. Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? C'est ce qu'il a fait transfert de haine. Là où on fait transfert d'argent à tes camarades, toi, on te fait transfert de haine. La haine va ricocher, pas transfert. Par Western Union. C'est quoi ça? C'est vrai. C'est ce que j'appelle être soi-même. C'est vrai.
C'est un exercice difficile. Hein. Donc, chers amis, je voudrais donc vous dire que tu as dit comment faire. Pour partager tes idées avec les gens. Je vais prendre mon temps pour partager les idées avec les gens. Ça va prendre du temps, hein. Mais je vais le faire. Je vais les rencontrer comme je suis en train de le faire. Si je ne réussis pas un jour à recorder les résultats de ce que j'ai commencé, quelqu'un d'autre va le continuer. Planter un arbre et ne pas forcément vouloir cueillir et goûter au fruit de ces arbres. Planter un arbre et ne pas forcément vouloir soi-même être à l'ombre de cet arbre. Mais être heureux un jour que tes enfants, tes petits-enfants, profitent des fruits ou de l'ombre des arbres. Voilà ce qu'il y a commencé. Quand Martin Luther King prononçait le discours « I have a dream », Barack Obama avait 2 ans ou 3 ans. Ouais. Qui a représenté les Noirs jusqu'à la Maison Blanche? C'est la femme qui avait 2 ans, au moment où on frappait de Martin Luther King. Mais le combat a abouti. Les Noirs dirigent les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on est prêt à ça? C'est pour les calculs inutiles. On grimpe pour l'autre rapidement parce qu'il n'a pas le même point de vue que nous. Ça, c'est pas un pays, ça. C'est pas ça, la démocratie, ça. C'est pas pour ça qu'on est allé en prison. On est allé en prison pour que les idées s'entrechoquent. C'est ça que moi, je vais partager avec eux. Je vais aller dans les campements. Quand je suis ici, j'ai parlé à eux. D'abord, de paix, pour le moment. Au moins, pendant 2 ans, je prendrai mon temps. J'ai fermé les oreilles à tout pour aller parler aux Ivoiriens. Même Issa Diaby, je vais chercher le rencontre pour parler avec lui. Je dis, mon frère, je te comprends. Quelqu'un dit la mal. Moi, je discute jamais avec quelqu'un qui dit la mal. Hein. Parce que c'est lui qui le ressent. Pourquoi tu discutes avec lui? Il dit qu'il a mal. Va parler avec lui. Peut-être même que le seul fait que tu l'approches là, ça peut apaiser sa sœur. Ou sa rancœur. Et puis on passe à autre chose. Parce qu'on va passer toute notre vie à se battre. Mais oui. De la France. Mais le combat qui a eu lieu entre l'Allemagne et la France. Waouh! Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Même un seul journaliste qui écrit une ligne sur l'Allemagne, on lui arrache son imprimé. C'est jour. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont passées du face à face au côte à côte. En Côte d'Ivoire, on passe du face à face au côte à côte. Voilà ce qu'on doit lui ici. Les États-Unis d'Amérique. Je l'ai dit la dernière fois, je le répète ici encore. On connaît une guerre de sécession. Ça a duré 4 ans. 1861-1865. Ça opposait le nord au sud. 620 000 morts. 4 ans. 620 000 morts. Et ça, ce ne sont que des soldats. Je ne parle même pas des civils. Mais une fois qu'ils ont compris qu'il leur fallait être une nation-État, ça finit. Ils sont devenus une puissance. Quand l'Allemagne et la France ont compris qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble, le mur est tombé. Berlin, qui était le symbole du monde bipolaire, aujourd'hui est le socle de l'économie de l'Union européenne. Du désespoir est né l'espoir. Pourquoi? Parce que leurs dirigeants ont compris qu'il faut tirer les leçons de ce qui leur arrive. Ils ont commencé à partager, à équilibrer les plateaux. Regardez bien comment l'Europe a fonctionné. L'Europe a passé tout son temps, mais les guerres étaient meurtrières. Et puis à un moment donné, j'ai compris que, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? Et puis ils ont commencé à partager leurs institutions. Ils ont commencé à équilibrer la balance. La France gère tout ce qui est diplomatie de l'Europe. Le marketable, dès qu'ils vont prendre, quand la France, tout le monde rentre dedans. À l'Allemagne, c'est l'économie qu'ils ont dans l'Allemagne a pris l'économie. Elle ne peut pas vous gérer l'économie. La France gère la diplomatie. Ils ont commencé à équilibrer les plateaux. C'est pourquoi, dès qu'il y a un problème économique, tout le monde va à Berlin. Et tout ce qui est institution politique, l'Union européenne, tout ça, Belgique, prenez-le. Tout ce qui est institution judiciaire, la Hollande, ces pays, CIJ, tout est là. Quand il y a des problèmes de mer, conflits, frontaliers, tout ça, c'est pour nous là que vous voyez, mais les autres, chaque jour, c'est 6 bâtiments, étages, dans ces pays. Ils ont donné un peu à chacun. Ils ont équilibré le plateau. Pourquoi nous, on ne peut pas tirer la leçon de ce qui nous arrive et équilibrer aussi le plateau? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition politique.
Ma soeur, c'est ce que moi je veux. Le seul fait que je suis là ce soir, avec vous, je ne suis pas dans l'instant où il y a 1000 personnes. Je suis là parce que vous représentez les autres. Je suis venu pour vous saluer et saluer votre combat. Vous n'êtes pas inutile. Vous comptez. Personne n'est inutile dans un combat. Personne n'est inutile. Même quand les gens vont en guerre, ce n'est pas tout le monde qui a un fusil. Il y en a qui font à manger. Il y en a qui soignent les autres. Il y en a qui vont repérer chez l'ennemi. Il ne faut pas permettre à quelqu'un de te complexer. Il ne faut pas permettre, il ne faut pas donner ton âme à quelqu'un. Tu es utile. J'ai symbolisé ça, j'ai dit, tu as le mortier. Moi, j'ai le pilon. Mm-hmm. Enfin, comment tu as le mortier, moi, j'ai ton mortier, la carte, gros, comment. Moi, j'ai mon petit pilon. Enfin, comment ça, mon pilon, ton mortier n'est rien. Maintenant, même si tu as le pilon, moi j'ai le pilon, tu as le moteur, c'est bien ensemble. On fait quoi? Il faut qu'on trouve quelqu'un qui a soit du maïs ou du riz pour qu'on puisse piler quelque chose. Mm-hmm. Quand on finit de piler, il faut qu'on trouve quelqu'un qui a de l'eau. Le soleil brille. La lune brille. Chacun brille en son temps et en son moment et à sa main. Il y a encore, on va encore prendre la dernière question parce que en fait il y aura une séance photo qui est prévue individuellement. Donc on va prendre une dernière question. Alors tâchez de vraiment la condenser pour qu'elle ait tous les éléments qu'il faut. Et comme ça, quand le leader va y répondre, ce sera en même temps son mot de fin. Alors Modo, je vous pose la dernière question. Moi, je vais poser la dernière question. Ça va permettre à nous tous d'avoir un cap bien précis. Voilà. Les questions de vous, ils font peur. Mais j'espère quand même. Vas-y. Faut pas le voir. N'importe quoi. Alors, ma question va partir d'une observation. Dans le combat actuel que nous menons, jeunesse ivoirienne, comme tu l'as souvent souligné, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que nous avons une proximité avec le COGEP. Il est important de rappeler que le COGEP est panafricain. Et donc nous sommes un peu panafricanistes. Ça veut dire qu'au-delà même de la vision ivoirienne, nous projetons déjà. Et donc, nous avons aujourd'hui des thématiques qui sont des thématiques africaines. Nous sommes fiers de notre victoire et tout à la CPI. Mais en tant que panafricanistes, nous remettons en cause le fonctionnement même de la CPI et donc l'adhésion, le traité de Rome, tous ces pays-là africains qui continuent, n'est-ce pas, de rester dans la CPI. On a écouté aussi le calendrier, donc le timing. En amont, il est question autour de la réconciliation. En aval, on va aborder un certain nombre de préoccupations à venir. Ma question est de savoir, est-ce que le ministre Charles Blé Goudé est foncièrement panafricaniste? Est-ce qu'il demeure panafricaniste? Et quand je parle du panafricanisme, avec tous ses corollaires, donc tout ce qui englobe le panafricanisme, la question de l'indépendance monétaire, la question des bases militaires, on ne va pas occulter le fait que nous avons été des colonies françaises et donc de façon tentaculaire, nous avons toujours cette présence-là. Donc, est-ce que le ministre il peut nous rassurer sur l'avenir? Parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit. Et toute la jeunesse africaine, aujourd'hui, lorsqu'on voit et que je sais que le président, le ministre Charles Blé Goudé, est quelqu'un qui suit l'actualité. Lorsqu'on regarde le Sénégal et que nous avons des figures montantes comme Ousmane Sonko, des ministres de l'énergie qui ont démissionné au Sénégal, comme Pierre Nossal, des figures du panafricanisme qui sont conscientes de ces figures-là,
du devenir de notre continent, de notre jeunesse, la jeunesse francophone et tout en particulier, est-ce que le ministre Chablé Houdé peut apaiser un peu mon cœur si un certain nombre d'orientations? Merci. Non, non, mais j'aime bien ce débat. Il est franc. Il est franc. Puis bon, ce sont les questions et les thématiques de notre époque. Il ne faut pas fuir les problèmes de notre époque. Il ne faut pas les fuir. C'est parce que les dirigeants africains ont fui ces problèmes-là qui nous rattrapent. Mais ce sont des questions qui, ma foi, ne doivent pas être réglées dans l'émotion non plus. Ou dans le, j'allais dire, dans le populisme. Moi, je veux d'abord qu'on puisse impacter le quotidien de nos concitoyens. Entre sophisme politique, philosophie politique, et pragmatisme et réalisme politique, mon choix est clair. Je suis un praticien de la politique. Modo, tu sais que je peux me mettre devant cette caméra, puis je peux vocaliser pendant 4 heures. Je sortis toutes les théories du monde. Puis maintenant, on dit, bon, la bien, attends, est-ce que tu as fini? Bien. Ma maman qui est au là, elle se soigne comment? Elle se scolarise son enfant. Comment? Qu'est-ce que tu proposes? C'est pourquoi je vais doucement. Je prends le cas de la Chine. Ils n'ont pas bavardé. Ils ont conservé leur culture, leur identité. Et puis, ils ont même fait la promotion de leur culture. Et pourtant, ils ne sont pas confiés à les autres. On a même tenté de les mettre de côté. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, si toi tu fais plaisir à ta goutte, tu as dit non, chérie. Alors, restons chez nous, terminez. Mais trompe-toi, tu as dit non, alors, terminez, garde-moi, je pourrais. Elle va dire, mais dis-la, mais prends même pas au sérieux. C'est sa culture. On lui a dit, elle est colonisée, elle est complexée dans l'esprit. Il est complexé dans l'esprit. Pour qu'il soit bien vu, il faut qu'il soit les autres. Donc, il n'est pas lui-même. Il n'aime pas les autres. Et puis il est au milieu. Il n'est rien. Il y a d'abord une conscientisation d'acceptation de nous-mêmes à faire. On doit apprendre à s'accepter nous-mêmes tels que nous sommes. Être fier d'abord de ce qu'on a. Et puis chercher à voir comment ce qu'on a là peut nous être utile, mais être utile aussi au reste du monde. Parce que le reste du monde peut passer tout son temps à traîner un fardeau que nous sommes. Sans être agressif. Oui, on peut parler d'indépendance monétaire. Oui, on peut parler de base militaire. Mais ça doit se faire dans la discussion. Poser les réalités. Pour dire ces accords qui ont été signés, les ont été il y a des années et des années. Ceux-mêmes qui ont signé là, ils sont morts. Les réalités qu'ils vivaient au moment où ils les signaient là, ça n'existe plus. Nous avons de nouveaux besoins. Nous avons une nouvelle mentalité. Est-ce qu'on peut évoluer un peu sur ça? Je pense qu'on peut discuter sur ça. Sans tout ce bruit. Je comprends qu'on mobilise l'opinion et c'est normal. Chacun fait son rôle. Moi, je ne suis pas un activiste. Je suis politique. Je veux gouverner. Et pour gouverner, j'ai besoin de partenaires. Donc, je ne rejette pas les autres. La Côte d'Ivoire ne peut pas vivre en autarcie. Ce n'est pas possible. L'Afrique ne peut pas vivre en autarcie. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que les dirigeants africains ont pris conscience quand on leur dit « L'Afrique est le continent de l'avenir. » Ah, je dis, mais l'Afrique est le continent de l'avenir pour qui? Question. L'Afrique est le continent de l'avenir pour qui? Pour les Africains ou bien pour les autres? Ouais. Parce qu'on est fiers qu'on le dit. L'Afrique est l'avenir, le continent de l'avenir. Oui, on a compris. Est-ce que nos dirigeants sont conscients de ça? Donc, il y a des questions génériques que les gens abordent juste parce qu'ils ont envie d'avoir des vues et des likes. La vie des Africains ne se limite pas à des likes et des vues sur Facebook. Ils ont dit réalité qu'ils vivent.
Ils ont besoin de dirigeants qui peuvent transformer leurs souhaits en réalité. Tu comprends? Le rôle du politicien, c'est de partir du souhaitable au possible. Voilà le rôle du politicien. Partir du souhaitable au possible. Comment on réussit ça? En ne trompant pas nos peuples. Toujours les héros. L'Afrique n'a plus besoin de martyrs. On en a trop connu. On tire les leçons de ça. On fait en sorte d'être unis d'abord. Parce que c'est le gros ensemble qui marche aujourd'hui. L'Europe l'a compris. C'est le gros ensemble qui marche aujourd'hui. Mais nous, on est. Chacun vient prêcher pour sa chapelle. Il y a beaucoup à faire. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des questions à régler. Mais c'est des questions que moi, je souhaite qu'on règle avec. Tu as parlé de Sanko. Je parle avec lui. Je te demande. Je n'ai rien à cacher. Je parle avec lui. Parce qu'on doit se parler dès maintenant. On doit se parler. On est de la même génération. On doit se parler dès maintenant. D'abord, développer des rapports sud-sud. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas aider le Sénégal et vice-versa? Pourquoi la Guinée ne peut pas venir en aide à la Côte d'Ivoire dans ce que la Guinée a et que la Côte d'Ivoire n'a pas? Pourquoi le Burkina ne peut pas venir donner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle n'a pas et vice-versa? D'abord, dans un premier temps. On était jeunes, il y a eu beaucoup de choses. Moi, au moins, j'ai 49 ans. Ma responsabilité est lourde. Sinon, je ne serais pas à la CPI. Ma responsabilité est d'autant plus lourde que là où il n'était pas là. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire, sauf moi. Mais ça, là, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Ça aussi, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis non. Écoute, Charles, quand la crise ivoirienne éclatait en 2002, tu avais 28 ans. 21 ans sont passés par là. Est-ce que c'est du temps perdu? Est-ce que c'est du temps gagné? Mais en expérience, c'est du temps gagné. Mais cette expérience-là, j'ai fait quoi avec? Je la mets à la disposition de mon pays. Beaucoup d'amis et moi, on n'aborde plus les questions de la même manière. Beaucoup d'amis avec qui j'ai fait l'université, avec qui j'ai fait la FECI, on n'aborde plus les questions de la même manière. Parce que moi, je suis passé par l'enfer et par le fer. Je suis passé par l'enfer et par le fer. Quand tu sors de là, quand une farine passe par le four, ça ne sort pas farine. C'est que le four l'empanne. Ah, sinon, ça sort soit gâteau, soit du pain, soit autre chose. Donc, moi, de là où je suis passé, on n'aborde plus les questions de la même manière. Je prends maintenant mon temps. Parce que je sais que ce qui sort de ma bouche, impact. Je fais souvent le sondage sur ma page. Tu mets un texte en ligne. En moins d'une heure, tu as des milliers de commentaires et de likes. Quelqu'un m'a appelé un jour pour me dire, ah, Charles, on m'a insulté sur ta page, puis tu n'as pas rectifié. Et toi, t'as vu ça où? Oh non, j'ai vu ça dans les commentaires. Il dit, il y a faux, hein. Commentaire, il y a 8000 commentaires, là, tu as tout fait pour voir quelque chose avant. Toi, t'es un aussi. Pour dire que, on va y aller doucement. On va y aller pas à pas. On va identifier d'abord les thématiques. Qu'est-ce qu'on peut régler aujourd'hui qui peut impacter la vie de nos concitoyens? Qu'est-ce qu'on peut régler aujourd'hui et plus tard? Tu ne peux pas tout régler en même temps. On va t'apprendre dans les stades. Mais c'est quoi le résultat sur la vie de vos citoyens? Donc, la question du franc CFA se pose. La question des bases militaires se pose. Il faut étudier l'origine. Et d'autres questions même se posent. Prends le cas du cacao. Prends le cas du cacao. On est un pays producteur du cacao. Et puis, non, les autres, là, eux, c'est eux qui... Ils fixent le prix. Mais j'ai dit, on est pays producteur de café, non? On dit les autres,
Eux, c'est eux qui touchent le plus. Avant de parler des autres, on a plus de 25 millions d'Ivoiriens. On est combien qui prenons nécessairement qu'une cuillère de café tous les matins? Pour pousser même à la consommation nationale, on est combien? Est-ce que tu as une famille de président qui dit ok, moi, c'est ce que j'appelle la pause café à midi. De manière nationale, où que vous soyez, à midi, pause. Ça vous apporte au moins une tasse de café. Ça fait de l'argent. Déjà là, donc il y a aussi le manque de vision. Il y a aussi le manque de volonté politique. Parce que quand vous fabriquez bang ça, tu vas commander ça en Chine. Oh, on peut faire ça. Il y a forêt en Côte d'Ivoire. Pour fabriquer ça, identifier le nombre d'écoles primaires, d'écoles maternelles, de collèges, de lycées en Côte d'Ivoire, et former des jeunes menuisiers à qui on dit de fabriquer ça. Votre exercice là, de fabriquer ça. Ça doit se faire aussi simple que ça. Pourquoi tu as commandé ça en Chine? Il y a un problème. Complexé à l'esprit. On aime ce qui vient d'ailleurs comme ça. Ta petite chambre, tous les matins, elle ne mange pas. Parce qu'elle doit être mince pour être belle. C'est ce qu'on dit dans un texte. Les paradigmes doivent être changés. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit mince pour qu'elle soit belle. Et pourtant, chez nous en Afrique, là. Excusez-moi la fille mince. Je ne suis pas. Mais je parle de l'Afrique, quoi. Chez nous, là. Quand la gomme bouge comme ça, on dit waouh, waouh, on a mis des rêves. L'avenir est derrière. Elle a tout l'avenir derrière. Et puis, c'est ça qu'on appelle la femme africaine. Ce que je voulais vous dire. En fait, j'ai pris souvent le cas du café. Au Rwanda, par exemple, Kagame a instauré qu'au moins une ou deux fois par semaine, à midi, tout le monde descend le vendredi pour balayer là où il est. Et le président Kagame est le premier à descendre d'abord. Il balaye sa part, puis après il va faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le reste de la population, le reste des cadres là, ils suivent. Nos dirigeants doivent apprendre à être des modèles. C'est eux qui tirent le wagon du changement. C'est eux qui tirent le wagon de ce qu'on doit changer comme paradigme dans notre pays. C'est eux qui tirent le wagon de ce qu'on doit changer comme habitude dans notre pays. C'est eux qui tirent le wagon de ce qu'on doit changer comme mentalité dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas opérer un changement avec des esprits qui sont réfractaires au changement. Ce n'est pas possible. Et ça commence par les dirigeants. Si j'étais juriste, j'allais te dire, et j'ai dit. Bon, comme c'était la dernière question. Bien, merci, chers amis. On va demander à Mono de donner le mot de fin. Alors, et puis moi, je vais donner le mot de fin, puis bon, en gagnant. Ce fut bon. Et même, ça paraît court. Mais, en général, comme on dit, les bons échanges, les bonnes choses ont une fin. Je tenais ici, au nom de tous les amis, au nom de tous les résistants, au nom de tous les cyberactivistes, au nom de tous les activistes, au nom de ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, dis merci au ministre Charles Léboudé pour sa promptitude, pour son humilité et pour le respect et la considération qu'il nous donne aujourd'hui. Je sais que chacun de nous ici partira aujourd'hui avec un certain nombre de réponses à ces questions. Et puis, content aussi de t'avoir côtoyé, de t'avoir vu, de comprendre ce que j'explique par moment. Et donc, pour moi, c'est un moment privilégié. En tout cas, au nom de tous les amis, au nom de toutes les délégations, au nom de tous les Parisiens, au nom de tous ceux qui sont dans l'Île-de-France, à Paris, en tout cas, nous te disons merci. Merci pour ta disponibilité. Merci pour tout ce que tu fais. Le combat continue.
cas, merci à tout le monde. Merci d'être vous-même. Merci d'être vous-même. Merci de faire ce que vous aimez. Parce que je sais que vous adorez faire des analyses. Vous adorez critiquer. Vous adorez dénoncer. Et vous êtes dans votre rôle. Et vous devez rester dans ce rôle. Ça conforte la démocratie. C'est ce qui donne essence à la démocratie. C'est ce que vous faites là. Moi, j'ai une seule doléance à faire. Dénoncer, critiquer et n'insultez pas. Dénoncer comme vous voulez. Dénoncez-moi quand vous ne comprenez pas ma démarche. C'est votre droit de me dénoncer. C'est mon devoir d'expliquer. N'insultez pas. N'insultez pas. Dites que vous ne comprenez pas. Dites que selon votre point de vue, la démarche, elle n'est pas bonne. C'est votre droit. Mais n'insultez pas. Ça humilie toute la Côte d'Ivoire. C'est face à vous que je suis aujourd'hui. Mais il y a aussi des cyberactivistes RFDP. Ils ne me défendent pas. C'est leur point de vue. Et vous, c'est de leur apporter la contradiction dans l'argumentaire. C'est comme ça. En Côte d'Ivoire, il y a MOV, il y a MTNDP Orange. Mais eux tous discutent l'espace. Voilà. Et chacun, chaque jour, doit faire pour offrir un service meilleur. Parce qu'il y a un marché à discuter. Et quand on déplace ça sur la communication politique, le marché à discuter, c'est la voix et le suffrage des Ivoiriens. Mais il faut les convaincre avec une offre politique, avec un projet politique. Apporter des solutions à leurs besoins pour les mettre en confiance. Parce que c'est en leur nom que nous parlons. Soyez vous-même. Critiquez. Dénoncez comme vous voulez. Criez. Faites ce que vous voulez. N'insultez pas. N'insultez pas. Et puis, documentez-vous. Parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes maintenant des personnalités publiques. Je vous parle aujourd'hui. Je peux parler sur telle chaîne. Je suis parlé sur la chaîne de télévision. Je commençais petit avant d'aller là aussi. Vous aussi, demain, vous pouvez être des leaders politiques. Mais documentez-vous pour être les meilleurs de votre domaine. Quand tu parles, quand tu finis de faire ta vidéo, on dit waouh. Celui qui t'a écouté, quand il sort de là au moins avec ce qu'il ne savait pas. Vous pouvez vous organiser, organiser des séminaires, des cyberactivistes, sur des thématiques. Comment gérer un compte, comment dénoncer quelqu'un, comment prendre la parole en public, comment utiliser la gestuelle. Tout ça, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Je vous vois. Non, la base est là, déjà. Maintenant, il manque quoi? Le contenu qu'il faut analyser. Suivez des idées, ne suivez pas des hommes. Soyez fidèles à vos convictions. Ne suivez pas. Si un homme incarne des idées, ok, vous allez ensemble. Formez-vous. Aujourd'hui, moi je vous parle. Mais vous pouvez un jour, un week-end, vous venez, le tableau est là. Vous avez identifié vos faiblesses, vos tares. Vous voulez les combler pour évoluer. Vous êtes un blogueur, vous êtes des cyberactivistes. Moi, bon, on peut chercher des formateurs qui peuvent venir vous former. Et puis après, chacun va défendre ce qu'il a envie de défendre. C'est comme ça que la société, elle est. Elle est belle, cette société, quand elle est diverse. L'unanimisme n'est plus de ce monde. Les gens peuvent rêver, ça c'est le problème. Ils peuvent être nostalgiques. Mais c'est fini. Le temps des dieux est passé. On a une génération qui boude d'exprimer son point de vue. Et moi, je vous encourage à exprimer vos points de vue. Même moi, je suis dénoncé. Si je suis dans une logique que vous ne partagez pas, dénoncez-moi. Mais je vous apporte la réplique. Ah oui! Je vais venir, ce que tu as dit là, voilà mon point de vue. Et puis on se voit, on prend un café ensemble. C'est pas la guerre. Je suis content de vous avoir vu. Et je suis encore à Paris. Je continue à randonner. Je suis venu ici uniquement pour dire merci. Pas pour autre chose. Je fais le tour chaque soir des communautés.
Là, je viens de rencontrer les poules, j'ai rencontré les poules en haut, j'ai rencontré les... Ouais, j'ai rencontré les bêtes et autres. Donne-moi un nyambois. Guina, où est Guina? Il y a un nyambois parmi nous. Et puis, il y a une autre nyambois. J'ai habillé son chef de cabinet. La petite, elle est de Zoukoube. Les nyambois, c'est une espèce en voie de Je pense qu'on va prendre un café, là-bas, ils sont pas nombreux. Mais les guérés vont se plaindre. Là, ils disent, vous êtes pour eux. Ouais. Les petits, les darons, c'est quoi? Tiens, vous êtes où? Dieu vous bénisse, à bientôt. Je suis là, on va faire la photo de vous. Vous restez assis, s'il vous plaît. On va commencer par un jeune. Non, non, personne ne bouge. Ah, ok, d'accord. Coucou, je coupe. Voilà, il a compris. Voilà. Voilà. Fais coucou. Levez les mains.